Pensez-vous revendre vos cadeaux de Noël et pourquoi? Non, je revends pas mes cadeaux de Noël. J'y pense pas, soit ça reste dans des cartons et en règle générale, donc je garde tout. C'est des choses qui nous plaisent normalement, ce qu'on a demandé, donc on revend pas. Non, je les revends pas. Si je les aime pas, je les donne à d'autres gens. Non, je revends pas mes cadeaux de Noël, parce que ça se fait pas, voyons. Nous les gardons, nous sommes très contents de ce qu'on a eu. Non, moi je revends pas mes cadeaux de Noël. Et pour les enfants, je donne de l'argent, comme ça je les retrouve pas sur Internet. Non, je revends pas mes cadeaux de Noël, parce que ça m'a fait plaisir de les recevoir. En général, c'est des choses que j'avais demandées à la base, donc je vois pas pourquoi je les revendrais. Je trouve que c'est vraiment pas correct pour moi de revendre ces cadeaux. On n'est pas content, bah, autant le dire à la personne et s'arranger avec elle. Enfin, je ne pourrais pas dire à ma mère, ah, en fait, non, c'est trop naze, je vais le revendre. Moi non plus, je revends pas mes cadeaux de Noël parce que je fais une liste. Avant, donc quand je reçois les cadeaux de Noël, je sais c'est à peu près ce que j'avais demandé depuis le début. Et oui, revendre les cadeaux de Noël, je trouve ça totalement irrespectueux envers la personne qui a quand même recherché à nous faire plaisir, nous offrir un cadeau, même si elle s'est trompée. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ah non, je revends pas mes cadeaux de Noël par respect. Bon, non, je les revends pas non plus. Même s'ils me plaisent pas, je les garde.